Oh putain, ce que je viens de mettre! Merci les gars, grâce à vous, on arrive bientôt aux 50% des gens abonnés. On a gagné plusieurs pourcents grâce aux abonnements d'hier et d'avant-hier. Donc si t'es pas encore abonné, que tu souhaites ne rien louper, n'hésite pas à le faire et je te souhaite un bon visionnage. Oula, c'est des méchants ça. Ender! Oh, c'est bien ça. Bon, je pense que je suis quand même mort, mais c'est marrant ce qui vient de se passer là. Non, mec. Mec, c'est l'escape. Oh, c'est l'escape la plus improbable que j'ai réalisé de ma vie. C'était vraiment pas prévu. Il fait quoi, ce fils de pute? Il est parti où? Il est parti dans les backrooms? Il est plus jamais. Il est où? Ne me dis pas que je vais le croiser. Ça. Sauve-moi, Scanner, non? Tu. FF. Et les bots, non? Les problèmes. Mais ça va, frère. En gros, c'est quoi ce perso, s'il vous plaît? Ne tue pas là? Ne dis pas que je vais devoir rire. Viens, tu te fais au play comme ça, tu sais? Wesh! Les gars, j'ai. C'est quoi ça, frère? J'ai un reflet sur ma map! On a un Pandore qui est doucement en train de sombrer en ce moment. On se sent support ou pas là? Moi perso je me sens supporté là. Je me sens assisté je dirais même. Y'a moyen de passer là. Ouais vous êtes hein. Je peux bouger quand en fait? Je comprends pas là. Ah ils sont dans ma peau. J'ai croisé Jeff dans les catacombes, il m'a demandé de sub chez toi. Ta mère la pute! Je m'emporte pour rien, notre troll. Faut que je me calme. Je vous jure, je joue trop bien dans Zeri. J'ai trop l'habitude de faire ça. Allez, t'es pour eux, frère. Appelez l'ambulance tout de suite. Oh, chauvier! Aïe, mes doigts! J'enclais les doigts, putain de ta mère! Mes accoudoirs, je me suis coincé les doigts avec le bureau. Je suis donc lui. Voilà, suce mes couilles maintenant. Suce bien. Oh, c'est une erreur ça. Oh, MDR! J'ai jamais vu ça! L'interaction, mon ulti avec l'ulti.
Avec le haut de Briard. Et on est parti pour les clips du live de Kameto d'hier. Au-delà du message autour de la K-Corp, je voulais surtout aussi vous mettre l'importance des réseaux et surtout d'être respectueux. Je trouvais les mots d'Arthur très justes et je trouvais ça important de le partager ici. Alors je sais, ça fait la moitié environ du best-of, mais vous avez les chapitres en bas pour sélectionner ce que vous voulez voir. Et grâce à ça, j'ai pu mettre des clips de côté et du coup, je prépare un best-of sur la chaîne secondaire demain, en plus du best-of de demain. Bref, la team, je compte sur vous pour donner votre avis en commentaire et je compte aussi sur vous pour être respectueux comme vous l'avez été hier et avant-hier. Et je vous laisse avec les clips. Parce qu'il y a des trucs, voilà, je le prends avec le sourire, mais il y a des trucs qui n'ont pas été faciles pour nous en interne les dernières semaines. Thanatos, pour vous expliquer, c'est assez simple. Ça fait un peu plus de 2 ans qu'on le scoute avec une personne qu'on a à la K-Corp qui est scout. On était à un verbal agreement ou un written agreement, ce que vous préférez, donc un accord écrit ou oral. Donc à ça de se faire et il s'est passé des choses. Globalement, on s'est fait un peu baiser, voilà, enfin, on va pas tourner autour du pot. De l'énervement, bah voilà, t'es le Paris Saint-Germain, t'es l'OM, bah t'as de l'énervement sur Twitter, c'est normal. Bah nous aussi, on est cet équivalent-là. Maintenant, il y a quand même des limites à mon sens, parce qu'on essaye de vous offrir une transparence, une proximité, parce que Kamel live tous les soirs, parce que Côté a initié ça à la Carmine, moi c'est quelque chose que j'apprends et on essaye de faire en sorte d'être le plus transparent possible et didactique. Mais on ne pourra pas continuer à être comme ça. Il y a des menaces de mort sous couvert de blagues, des fake news qui sont balancées, qui sont réeffacées, des trucs dans tous les sens, parce que tu ne peux pas tout avoir. Tu ne peux pas avoir la proximité d'un côté et de l'autre, être dans un bordel pas possible dans lequel il y a un manque de respect qui est énorme. On travaille tous comme des chiens, on donne le maximum, on fait des erreurs, on essaye d'apprendre de ses erreurs, on assume, on vient là, on ne se cache pas. Il n'y a pas grand monde qui fait ça et je trouve que ça mériterait peut-être un peu plus de respect. Ça veut pas dire dire oui à tout, ça veut pas dire être des suceurs, ça veut pas dire merci et on est d'accord avec tout, ça veut juste dire être respectueux des gens qui essayent de vous donner le maximum d'entertainment possible. Sur un moment, laissez-nous le bénéfice du doute au moins de bah, on n'est pas juste des grosses merdes incompétentes, tu vois, c'est juste ça qu'on demande. Bon, donc, Et aujourd'hui, pour revenir sur le cas de Closer, compte tenu du marché et des options qu'on avait et de nous, ce qu'on a vu en lui avec d'autres process que des tryouts, on a décidé de lock directement sans tryout pour tryout avec lui les autres postes. Et donc, voilà, on en a aujourd'hui. On a Closer qui est lock et qui a été annoncé aujourd'hui. Et tous les autres postes sont en tryout. C'est que le fait que vous spammiez des pseudos sur Twitter, bah, ça ne nous aide pas quand on est sur un joueur. Les joueurs que vous allez envoyer sur Twitter, pas dire qu'on est sur tous les joueurs intéressants, mais globalement, on est très souvent sur la plupart des joueurs qui sont intéressants sur le marché. Et le fait que vous spammiez, en vrai, il y a plus d'équipes qui peuvent être mises au courant d'un joueur qui est disponible ou autre. J'ai plus envie de stream, j'ai la boule au ventre. Quoi. Non, arrête, tu vas leur donner ce qu'ils veulent. J'ai la boule au ventre avant de lancer un stream. Non, je veux juste pas stream, frère, c'est terminé. J'ai même plus envie de stream, abuse. Voilà, c'est vrai. Après, ça, c'est normal. Tous les jours, j'ouvre Twitter, je vois un tweet à 9 millions d'interactions, de arrête. Mais les gars, laissez-moi, j'aime bien, frère. La critique, c'est normal, c'est la base. Il y en a maintenant, ils vont trop loin. Tu dis n'importe quoi. Ok, il y en a, ils vont trop loin et ils ménagent pas leurs propos alors qu'ils n'ont pas 1% de ce qui se passe en interne, tu vois. Il y en a, ils n'ont pas 1% de ce qui se passe en interne, mais d'un point de vue spectateur, c'est normal qu'ils soient déçus. Maintenant, est-ce que c'est normal qu'ils aillent insulter ou quoi? Non. Les légendes du club sont surprotégées ou etc. Non. Après les doubles top 10, il n'y a personne qui avait sa place d'assurer de loin, voire même qui avait sa place tout court. Si, bah je te dis que non, donc tu peux pas... Voilà, c'est pas un argument, donc... Et aujourd'hui, pour revenir sur de la merde, mais bon, voilà. Les arènes, ça avance, les amis, vous allez bientôt avoir des news. Vraiment, vraiment, vraiment soon. Mentor France, Ouais, t'es pas au courant, mais en gros... J'étais chez moi toute la journée hier. En gros, c'est pas encore sûr, mais il y a un petit monde où il peut arriver en France demain. Vraiment. Bah incroyable, j'apprends la nouvelle en même temps que vous, les gars. Ah, c'est tombé aujourd'hui, je crois. Oui, s'il vient, il pourra venir que pour les EU Master en premier lieu. Et après, on va voir. Donc, attendez encore. Faut hypez pas. Portez pas l'œil, là. En vrai, vous voulez qu'on soit transparent? C'est envisagé, frère. Pour la prochaine saison, c'est littéralement envisagé. Désolé encore pour cette phase difficile. Dites-vous qu'on vit la même chose que vous, donc... C'est pas non plus évident pour nous, mais on essaiera toujours d'être le plus transparent possible et le but c'est vraiment d'aller gagner les Worlds. Hein. J'ai pas oublié cette promesse que je me suis faite à moi-même
et que j'ai faites quand j'ai créé le club. Voir à Chance Pit LPL, les tests en LFL, pourquoi qu'on part? En fait, c'est par rapport à ça, c'est pour ça que je deviens fou sur Boog. Alors qu'en plus, le Boog a rien demandé et je pense qu'il a un potentiel. Mais c'est pour ce genre de commentaires en fait, je deviens sans singe. Mais pour moi, au jour de. Enfin, là maintenant, je préfère l'Insas dans mon équipe que Boog, mais genre fois 1000 tu vois. Merci à tous d'avoir regardé ce best-of, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Smells like home here. Grace, à toi, je suis sortie d'une période très compliquée de ma vie. Force. Et je voulais te remercier. Depuis que j'ai rencontré ma nouvelle copine à ta soirée, tout va mieux, mucho love.